Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve encore pour un foutu haul Temu. J'en ai marre de moi. Donc, je vous la filme en deux parties puisque j'ai quatre commandes en tout. Là, j'en ai reçu deux et les deux autres n'arriveront que la semaine prochaine. Donc, enfin, normalement. Donc j'aimerais bien pouvoir ranger mon bordel et utiliser mon bordel aussi. Donc je vous filme la première partie. Donc ça sera un peu fouillis dans le hall, mais je regrouperai dans la barre d'infos voilà, tout ce qui est pigments, tout ça, tout ça. Voilà, pour que vous ayez plus facile à vous y retrouver si vous cherchez un produit en particulier. Donc, ça, ça n'a rien à foutre là. Ça non plus. Voilà. Je prends comme ça vient parce que j'ai tout foutu dans mon panier de linge. Donc, j'ai commandé des stickers holographiques. Donc là, c'est les dorés, mais je les ai pris en argenté, bien évidemment, aussi. Enfin, en vrai holographique. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le plastique. Hein. Voilà. Et il y a des bambis dedans. Il y a des bambis. Et ça, je pense que pour... intégrer dans la résine, faire des belles décos en résine, ça peut être sympa. Donc je vous en montre 2-3. Je n'ai pas réussi à choper un bambi, mais bon. Vous voyez, vous avez ce genre de petites potions. Ici, un coquillage avec les signes astrologiques. Non, même pas, ça a l'air... Et licorne. Une lune avec des champignons, c'est la même, encore une potion, enfin voilà. Il y a un peu de fleurs, il me semble. Attendez, j'ai faim, j'ai essayé de choper. Il y a des nœuds, il y a ce genre de choses. C'est vraiment très 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 joli. Vous en avez des qui sont pleins, des qui sont un peu plus transparents. Oh, il colle après le truc. On a ce genre de choses avec une fleur. Bon, avec l'effet holographique, c'est déjà pas évident, mais alors en plus si le focus il merde. Enfin bref. Je crois que vous avez compris le principe. Et il y en a 300 à l'intérieur. Donc franchement. Ah non, 100 pièces, c'est pas ceux-là qu'on a 300. Franchement, c'est pas mal. Alors je sais pas où sont les argentés. Hein. On va voir ça au fur et à mesure. Bon, on va rester dans les stickers qui sont là. J'ai pris, pareil, pour incruster dans la résine, des stickers comme ça, plume. Ça, ça peut être beau pour faire un capteur de rêve ou un cadre, un porte-photo, des choses comme ça. Voilà, et elles sont transparentes dans les tons rose et violet. Il y a plusieurs tailles, je ne sais plus combien est-ce qu'il y en a dedans. Qu'est-ce que c'est noté? Je vais vous dire ça si c'est noté. 40 pièces, donc ça va. Et c'est les stickers que bah, vous pouvez réutiliser déjà et que vous appliquez et ensuite vous enlevez le deuxième plastique qui est par-dessus pour que ça reste vraiment... Bien sûr, Riley se décide à manger son nonos maintenant. J'ai pris de l'eau de stickers étiquettes de potions. Voilà, parce que vous avez vu que ma nouvelle lubie du moment, c'est les potions. Donc vous allez voir que j'ai commandé pas mal de trucs. Donc vous avez, vous voyez, c'est à chaque fois c'est indifférent. C'est un lot de 50 à chaque fois et c'est tous des stickers différents. Alors il y en a que l'interprétation elle est pareille. Comme ça. Mais c'est à chaque fois un autocollant différent. Quoi. Et ça sera beaucoup mieux que de les imprimer. Et ça sera moins cher. Parce que si on compte l'imprimante. Même si je le fais sur papier classique, voilà, le papier plus l'imprimante. C'est quoi que j'ai là encore? J'ai des plaques, je suis en train de faire une réaction allergique à quelque chose. Je ne sais pas à quoi. Enfin voilà, vous en avez plein des différents. Et j'ai pris de l'eau. Donc voilà, je vous laisse aller voir sur le site pour le deuxième. C'est exactement le même principe. Toujours un stickers. Donc dans un des derniers hauls, enfin dans un haul passé, j'avais pris des rouleaux de stickers. Il y avait les axolotes, les sirènes et tout ça. Et là j'ai pris des vaches. Elles sont trop belles. Donc ça c'est pour faire des petits porte-clés. Focus de merde.
sont trop kiki. Voilà. J'avais envie de vache. Les rouleaux comme ça, comme il y en a vraiment beaucoup, je crois que c'est 500 pièces qu'il y a par rouleau. Je vais en donner un peu à Manon. Pour que je trie en haut dans tout ce que j'ai. Alors, j'ai repris des magnettes pour faire, enfin des aimants pour refaire des magnettes un peu plus gros. Donc j'espère qu'ils seront un peu plus puissants et qu'ils tiendront mieux sur le frigo. Parce que là, j'ai deux magnettes que j'ai fait sur le frigo, je ne suis pas sûre qu'ils tiennent une feuille en papier. Hein. Alors, ils emballent ça dans du papier bulle. Pourquoi? Je sais pas. Mais voilà, ils ont une taille un peu plus correcte. Et je vais encore pouvoir faire mumuse. Toujours pour les potions. Alors, c'est pas pour ça de base, hein, mais c'est une chatouille. J'ai pris deux mèches de cheveux, comme ça, vous savez, que vous clipsez dans vos cheveux en holographique. Et je me suis dit que mettre des filaments comme ça holographiques dans certaines potions, par exemple pour les larmes de licorne ou des trucs comme ça, ça peut être super beau. Enfin, c'est sans licorne, je crois qu'il y a sur les étiquettes. Ça peut être super beau. Et comme je vais en faire pour Halloween, j'ai trop hâte. Pareil, exprès pour ceux d'Halloween, j'ai acheté des bubbles, des water pearl, je ne sais plus. Vous savez que vous mettez dans l'eau, que ça gonfle et que c'est, ça devient un peu comme les bubble tea, là, gélatineux et tout ça, comme le tapioca. Sauf que là, c'est des exprès pour la déco. Et bon, j'ai pas trouvé des noirs, je voulais absolument des oranges, donc j'ai pris les oranges et bleu marine. Je pense que ça peut être sympa aussi. J'ai hâte de tester ça, ça doit être trop chouette. J'ai jamais utilisé, ça doit être trop chouette à utiliser. Franchement, trop chouette. Là les stickers sur le graphique, c'est ici qu'il y en a 300 parce que c'est 3 lots, donc ils vous le livrent dans une grosse pochette comme ça. Et en fait c'est les 3 sortes différentes de stickers sur le graphique qu'ils vendent. Donc vous avez les fleurs, je sais plus c'est quoi. Ici on a plus, là il y a des nœuds, c'est les maidens, c'est écrit au-dessus. Donc là c'est les flourishing, c'est les flowers. Ici c'est spiritual. Et on a maiden avec les nœuds. Les nœuds sont canons. Pareil, je vous laisse aller voir sur le site. Vous aurez plus facile à vous rendre compte que moi ici je ne peux pas tout vous montrer. Mais voilà. Ça peut être super beau dans un cadre en résine ou quoi. Les nœuds sont magnifiques. Il y en a plein de sortes différentes. Qui a chaque fois 100 pièces, si je ne dis pas de bêtises, attendez, parce que là il y a un nœud qui me gêne. Ouais. Donc vous avez 100 pièces dans chaque paquet, donc ça vous fait un lot de 300. Ensuite j'ai pris 3 fois des paillettes holographiques avec des détails différents à l'intérieur. Donc j'ai pris cette couleur-là avec des étoiles. Ici, vous avez des papillons et la jaune, c'est avec des petits sequins ronds, tout simplement, des grosses paillettes rondes. Et je les trouve très belles. Il y a rond et hexagonal. Ah, il y a des étoiles aussi. Enfin, voilà. Mais vous voyez, c'est des petits pots de 10 grammes. Pareil. J'adore ajouter des paillettes dans la résine. Enfin, j'ajoute des paillettes partout, vous me direz. Alors, j'ai pris toujours pour mes petites potions. Des petites bouteilles, donc c'est des bouteilles en plastique, c'est ça qui est génial parce que du coup c'est mieux qu'en verre, hein. C'est moins cassant, la logique. Donc c'est à chaque fois des lots de 5, j'en attends encore un lot, je crois que c'est 10 les autres, c'est des étoiles. Donc là c'est vraiment la bouteille de potion classique, j'ai envie de vous dire. Et vous avez à chaque fois avec les bouchons en liège et la petite cordelette pour mettre un petit mot. Vous avez même des petites étiquettes. Voilà, avec des inscriptions. Je n'ai pas lu les inscriptions encore, mais vous avez des étiquettes. C'est écrit en chinois, je crois. Donc, je ne sais pas lire. Alors, pareil, ça j'ai pris de l'eau. Ben, je vais d'abord continuer avec les bouteilles. Donc, celle-là et celle-ci, je les ai reçues
dans des boîtes et l'autre, j'ai reçu dans un sachet à bulles séparées. Enfin, en plus, quoi. J'ai pris celle-ci pour Noyan. Elles sont trop belles. Donc, pareil, hein, vous avez les bouchons, les cordelettes et les petites étiquettes. Mais c'est trop beau. Magnifique. Ah. Et le dernier lot. Ah non, c'est celle-ci pour Noyan. En forme de sapin. Et l'autre, elle est en train de péter un cap tout seul. Mais les bouchons. Alors, j'essaie d'en choper un. Vous avez que les couvercles et les couvercles c'est des à visser cette fois-ci. C'est pas des en liège, mais bon du coup on le décore autrement. Mais ça sur la table de Noël ça va être trop beau. J'ai trop hâte de les faire. Encore j'ai trop hâte. Donc j'ai commandé deux fois. Attendez, j'ai perdu. Les petites breloques comme ça, donc vous en avez 10 à l'intérieur, je crois 2, 4, 6, 8, 9, ça doit être ça. Voilà, donc c'est des doubles embouts hein, que vous pouvez accrocher. C'est sympa pour faire des boucles d'oreilles, des colliers, des porte-clés. Enfin, voilà, ça vaut pour tout aussi. Pour accrocher aux petites potions, c'est sympa aussi. J'ai pris un lot de poudre de... Il y en a une qui s'est cassée, deux qui se sont cassées la boule. Ils sont cassés la margoulette. De pigments, enfin de poudre mica, effet coquillage... un peu effet sirène comme ça. Donc vous avez 4 à base blanche comme ça hein. Ceux-là je les ai déjà, quoi qu'il n'y a même pas les mêmes teintes. Vous avez ici un noir doré comme ça, un rose rouge, un bleu, un vert et un violet. J'ai trop hâte de les tester dans une petite potion, ça fait trop joli. Donc ça c'est une que j'ai fait, donc forcément ça retombe hein, même qu'il y a de la glycérine dedans, mais ça fait un effet trop beau, j'adore, j'ai trop hâte d'en faire plein quoi. Ouais, nouvelle lubie. Et enfin encore des pigments, j'ai commandé un lot, mais alors là ils sont en sachet. Alors ils sont arrivés dans la petite boîte, emballés dans deux sachets différents, posés comme ça. Moi mes tocs ont fait que j'ai dû les trier par couleur évidemment. Et donc c'est des poudre de mica aussi par 10 grammes à chaque fois et vous avez plein de couleurs différentes et ils étaient vraiment pas bien chers, donc je suis bien contente. Il y en a des vraiment très jolis. Il n'y a pas de noir et de blanc, enfin il y a un silver, un pearl. Le pearl a l'air trop beau, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la résine et tout ça. Par contre il y en a un, je me suis dit et pourquoi il porte ce nom là, ça n'a rien à voir. Attendez, c'est lequel? Berry. Ouais, le berry, il n'est pas très berry déjà. C'est un peu plus rose poudré. Après peut-être qu'il change, qu'il fonce un peu dans le truc. Crime. Je vois pas le rapport avec de la crème. Cerise, il fait plus. Ah si, là vous le voyez vraiment Winter qui s'appelle celui-là, regardez comme il est beau. Il y en a qui sont nacrés et d'autres qui sont mat, je pense, ou ils sont tous nacrés, je ne sais plus. Ouais, c'était le... Regardez celui-là comme il est beau, le Dark Scarlet. Il est... rouge, mais vraiment il a l'air d'être rouge sang comme ça. Ça a l'air trop beau. Black Pearl Dry, j'ai trop hâte de tester ça dans la résine et dans mes petites potions. Et voilà pour la première partie. Il y a un peu moins pour la deuxième hein. Deux commandes mais un peu moins quand même. Voilà, et donc on se retrouve tout de suite avec une autre tête et tout et tout, mais moi je vais pouvoir ranger mon petit bordel là. Donc, nous voici pour la deuxième partie du haul Temu. Je viens enfin de recevoir. Je parle et elle pleure. Elle vient vraiment me donner son jouet, son doudou, un bout de tissu. Je rapproche ma chaise. Alors, on va commencer. J'ai commandé deux choses pour les animaux. Un truc pour les chichous. Voilà, c'était juste parce que ça m'avait fait rire.
C'est un truc à accrocher dans la cage ou à l'extérieur de la cage. C'est un truc à rogner. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez une messe spéciale Halloween. Une petite citrouille en dessous. C'est tout du bois qu'ils peuvent manger. Donc, voilà, c'est sympa. Eux, ils vont faire 2 heures dessus à 3. Hein, mais voilà. Ça les amuse de temps en temps. Quand j'en trouve des pas trop chers, je leur en prends toujours. Parce que, bon, ça fait vraiment pas long feu. Mais je leur en prends toujours. J'ai commandé une cabane pour les Zizi que je viens de monter parce qu'elle arrive à plat. Donc vous avez toutes les tigettes là qui sont enlevées. Il est à plat complètement le bazar. En forme d'escargot, alors j'ai pris celui-là parce que c'était le moins cher. Voir combien de temps ça tient. Parce que c'est pas des rongeurs à proprement parler. Donc ils ne bouffent pas tout, mais ils bouffent tout. Voilà. Surtout Silver adore démonter les choses. Silver, c'est Demolition Man. Donc voilà, je leur ai pris ça, c'est assez grand, il y avait des un peu hawaïennes comme ça et tout. La prochaine fois, je leur prendrai certainement une autre. Maintenant, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de fond. Donc je pense que je vais leur mettre soit une planche, soit une pierre ou quoi en dessous pour la poser dessus. Je pense qu'avec une pierre, ça peut être sympa, comme ça, elle ne glisse pas trop. Pour pas qu'ils aient les pattes directement dans les rainures, dans les barreaux de la cage, quoi. Donc voilà, c'est trop cool. Alors... Je me suis pris 2 bonnets. J'en ai pris un pour quand j'ai la migraine. Voilà, je prends toujours celui de Sam, le Red Bull viral, parce qu'après, ils sont la menthe. Puisque je mets de la menthe pure et je mets mon bonnet pour dormir ou pour garder sur la tête pour bien avoir chaud la tête et que ma migraine passe. Et je le garde pour dormir et je rabats le bord sur mes yeux pour être dans le noir. Et là, j'ai craqué sur un, donc je l'ai commandé pour quand j'avais la migraine, parce que c'est pas... Enfin, si, je peux le mettre pour sortir, mais c'est pas un qui va avec tout. C'est trop beau! Il existe en plusieurs couleurs, j'ai hésité avec le vert, mais vert, c'était vert flashy. Mais je me suis dit, bon, rose, au moins, si je veux le mettre, ça ira avec tout. Il est trop beau. Je vais le garder. Et du coup, je m'en suis pris un pour quand je vais dehors. Un queen. Attendez, on va quand même essayer le queen. Il est plus petit, il a l'air plus serré. Eh, c'est bien, hein. Quand je sors, tout le monde saura qui je suis. Mais on va remettre le Kirby pour faire la vidéo. J'ai envie. Voilà. Et comme ça, vous voyez, je déplie le bord pour être dans le noir quand je vais me coucher. Voilà, je vais garder celui-là pour finir le haut. Je me suis pris un t-shirt axolote encore. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec les axolotes en ce moment, mais c'est un peu le fou. Mais j'ai craqué dessus. J'ai encore pris en rose. Je ne sais pas ce que j'ai avec le rose en ce moment. Regardez comme c'est beau. Il a l'air bien large par contre. Hein, pour un, j'ai pris un M quand même. Ouais, et il a l'air super large. Bon après, je m'en fous, je les mets pour traîner à la maison et dormir à la maison. Ou aller chez le kiné, quoi. Voilà, c'est pour ça que je mets mes t-shirts. Mais il a l'air super large quand même. Et oui, il va être un peu large, je pense. Mais il était trop beau. C'est du flocage, donc lavé à l'envers. Mais il est trop beau. J'aime trop comment ça fait l'effet comme ça, comme s'il mangeait le t-shirt. Trop beau. J'ai craqué dessus. Alors, toujours dans l'esprit de mes potions, j'ai pris des eaux de bouteille en forme d'étoile. Vous allez avoir une... J'ai un sticker qui se colle à mon doigt. Une vidéo bientôt où j'en utilise 2 sortes. Voilà. Donc elles sont plus petites. Si je recommandais, je prendrais des plus petites parce que les autres, c'est vraiment un enfer. Vous verrez dans la vidéo. Il y en a 10. Celle-ci, il y en a 10. Les autres, c'était 5. Et pareil, vous avez les bouchons en liège et les petites cordelettes que j'ai enlevées. Et également des petits cœurs, si vous voulez accrocher et noter un petit mot dessus. Vous avez plusieurs couleurs. Voilà, j'ai pris ça. Il m'en manque. Je les ai rangés. Donc là, j'ai pris de la taupe, de la grise. J'ai pris une noir et blanc aussi. Puis une roupe classique. Une corde, quoi. J'aime bien le mot roupe. Alors, ça me fait rire. J'utilise le mot roupe. Je ne sais plus combien est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est marqué la taille? Non.
Mais voilà, pour enrouler autour des bouchons de mes potions, j'ai de la roupe. Il faut que j'adhère, ça me fait rire, alors voilà. Pour moi, quand c'est un mot qui me fait rire, je l'utilise à gogo. J'avais également pris le séparateur ici pour faire plusieurs couleurs en résine. Vous voyez, quand vous voulez faire un joli effet marbré ou des choses comme ça. Dans le groupe colis que j'ai déballé avec vous en vlog la dernière fois, Marie m'en avait mis deux. C'est deux de 4, là c'est un de 3, donc je pense que je vais quand même l'utiliser. Si je ne l'utilise pas, je le donnerai à Manon ou je ne sais pas. Qu'est-ce que j'avais encore? Des stickers à gogo. Alors d'abord j'ai pris aussi, ils sont tous à l'envers, donc je vais vous en sortir un. Un lot de, c'est 10 pièces je crois. Ça doit être 10. De petits dragons comme ça à accrocher soit à mes potions, soit à mes porte-clés, soit à, enfin, à après tout ce que je fais, mes bijoux ou quoi. Je les ai trouvés trop beaux. Puis en ce moment j'ai une passion pour les dragons. S'il veut bien faire le focus. Allez Coco, fais ton boulot. Non, pas sur ma bague. Ah! Mais il a décidé d'être chiant ou quoi? Il veut pas. Hein. Ah, voilà. Voilà. C'est très beau. J'aime beaucoup. Ça fera très joli. Et même si vous voulez mettre juste un pendentif ou une boucle d'oreille, bah écoutez, c'est possible. Alors, passion stickers. Je sais pas ce que j'ai avec ces foutus stickers. Hein. J'arrête pas d'en acheter. Bon, je fais des porte-clés avec, on est d'accord, hein, que je mets dans la résine. Mais à chaque fois, je prends des rouleaux de 500. Qu'est-ce que j'ai que j'en fasse? Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai d'abord pris celui-ci, dans les teintes pastel, comme ça, avec tous des animaux. Il y a des hiboux, oursons, éléphants, lions, lapins. Voilà. J'ai craqué vraiment sur le hibou et le lion. Bien sûr, encore une fois, le focus a du mal. Voilà, je les ai trouvés trop kiki. Et j'ai acheté ça. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pris un avec des gnomes. Parce que bon, voilà, on est en automne. Passion gnome et citrouille, comme chaque année. Une fois qu'on arrive en automne, moi, c'est les gnomes et les citrouilles. Je peux peut-être l'enrouler un petit peu, hein, parce que là, il est un peu grand. Voilà. Donc, j'ai déjà fait un porte-clés avec pour la copine d'Enzo, parce qu'elle adore les gnomes. Et j'en ai fait un pour mettre dans le lot du concours de Noël. J'ai pris un avec des dragoons, puisque passion dragoon. Royvet, tu veux pas aller manger ton os plus loin au moins, ou attendre que j'aie fini ma vidéo? Merci. Reculé. Voilà, ils sont trop beaux. Alors je vous avoue que j'ai craqué sur celui-ci. Sur les trois ici. Voilà. Donc je vais me faire un porte-clés avec un dragoon. Et j'en ai pris un pour. C'est des stickers de Noël. Alors il y en a plein qui se font la malle. Je ne sais pas pourquoi ils ne tiennent pas bien sur la feuille. Pour coller sur mes cadeaux de Noël. Voilà, tout simplement. Bon, je vais pouvoir le faire pendant 20 ans, hein, puisqu'il y a 500 stickers et que. On n'a pas 500 cadeaux à faire. Hein. Mais voilà, c'est marqué Merry Christmas. Et à chaque fois, vous avez soit les cadeaux, le bonhomme en pain d'épices, le Père Noël, un sapin, un Bambi, un bonhomme de neige. Voilà. Pour le prix, ça fera toujours joli sur mes cadeaux de Noël. J'aime bien décorer mes petits cadeaux de Noël et mettre un petit bricolage que je fais dessus. L'année dernière, j'avais mis tous des petits gnomes à tout le monde. Les gosses étaient super contents. Ah, attendez, il y a encore des choses. Ah oui, j'ai pris des chaînes. Ah, attendez, il y a encore des choses. J'ai pris deux fois, mais j'en ai déjà utilisé une sorte. Donc j'ai pris comme ça
des chaînettes, hein, c'est tout un métrage, donc là ils font 2 mètres je crois, de mémoire, c'est pas marqué encore une fois, mais en doré et en argenté, pareil, pour faire un peu de tout, voilà, c'est toujours utile, parce que j'achète que des trucs super utiles, vous avez remarqué, c'était ironique, hein. Alors ça je le pensais un peu plus grand. Je vais vous afficher une photo du rendu parce que là vous n'avez pas grand compte. C'est un moule pour faire des petits chapeaux de paille. Mais alors ils sont vraiment très petits, hein, vous voyez par rapport à mon pouce. Pour mettre sur mes dragons, donc il faudra que je fasse vraiment des micro-têtes à mes petits dragons. Ou mes petits gugus quoi. Ils sont vraiment petits. Je les pensais quand même un tout petit peu plus grands, mais là ils font la taille d'une pièce de 5 centimes. Quoi. Voilà, ils ne font même pas un euro. Mais bon, écoutez. Avant de passer au moule en silicone, parce qu'il n'y a plus qu'un truc à vous montrer, j'ai pris pour offrir à Manon, vu qu'on va bientôt se revoir pour son anniversaire. Bon, je lui ai déjà fait son cadeau et je lui ai fait plein de trucs en résine, là qu'elle va encore avoir. Mais j'ai craqué dessus. C'est une pièce de puzzle transparente, comme ça, marquée Besties. Et thank you for being such an important piece of my life. I love you forever. Donc merci d'être une pièce aussi importante dans ma vie. Je t'aime pour toujours. Voilà. Donc Bichette, je te gâche la surprise, mais je trouvais que c'était tellement beau comme petite idée de cadeau, vraiment pas cher. Et voilà, ça tient debout. Donc c'est magnifique. Magnifique. Franchement très beau. Après. Si elle, elle veut, pour pas qu'il reste transparent, elle peut coller quelque chose derrière. Voilà, ouais, un beau décor derrière. Je sais qu'elle a plein de papiers de craft et tout ça. Voilà. Et dessus, quand vous le recevez, là je l'ai enlevé pour vous le montrer, mais il y a un papier de protection pour pas qu'il se griffe. Là je le laisse, il est emballé dans une petite pochette bulle, comme ça, séparée. Donc je le laisse dedans pour pas le griffer jusqu'à ce que je lui offre. Et alors, pour les moules en silicone, j'ai que celui-ci en main propre. J'ai commandé cet objet impossible trouille. Voilà, j'ai mon cheveu qui me gratte. Donc vous avez le couvercle avec la tige hein, et la forme de la citrouille. Le moule est plutôt correct, hein, il fait à peu près la même taille que tous les autres pots que j'ai. Je vous affiche le rendu du truc, mais voilà, on arrive en automne, passion citrouille et gnome. Voilà, donc écoutez, obligé. Et j'en ai commandé 3 autres que j'ai pas encore reçus, hein, que je vais pas avoir tout de suite. Donc je vous affiche de toute façon les prix et les trucs. Je reprends juste ma bidule pour voir. Donc quand Marise m'a envoyé le colis, il y avait 2 moules de gnome. C'est 2 fois le même. C'est celui-ci. Je vous montre d'un peu plus près. Donc celui-ci vient de chez Temu aussi. Hein. Voilà, que là j'ai fait en pastel, que là j'ai fait en marron. Donc du coup je me suis recommandé les 2 qui me faisaient le plus envie. Il y en a plein, il y a plein de sortes, il y en a même avec des oreilles de lapin et tout. Là j'ai pris celui avec la petite abeille parce que voilà, je trouve qu'il est très beau avec le petit pot de miel et tout. Et... Je dis à Georges, je filme en bas comme ça, je t'entends pas, mais je l'entends pas quand même. Et j'ai pris celui avec la petite lettre d'amour là parce que je le trouvais trop kiki aussi. Et voilà. Mais j'en ai plein d'autres dans mon panier que j'attends pour commander. Et j'ai pris ce petit nounours. Alors oui, il a l'air triste. Il y a celui qui a l'air triste et celui qui sourit. Je trouvais que celui qui a l'air triste a une plus belle tête que celui qui sourit. Donc voilà, j'ai hâte de le recevoir pour le faire. Il a l'air trop mignon. On a envie de le prendre dans ses bras et de le câliner, le pauvre petit, tellement il a l'air triste. Mais après, rien ne vous empêche de remonter un petit peu ses babines pour le faire sourire. Hein. C'est totalement faisable. Si j'avais du plâtre, je les ferais en plâtre, ça coûterait moins cher que la résine, mais on n'arrive plus à trouver de plâtre chez Action. En parlant de Temu, je parle de Action, puis je vous dis en parlant de Temu. Par rapport à Temu, j'ai enfin le lien de parrainage qui est activé pour la Belgique. Donc vous pouvez soit utiliser le lien direct qui est en barre d'infos. Si jamais vous avez déjà un compte, rien ne vous empêche d'en recréer un. Vous obtenez 100€ de coupons. Alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut, hein, parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Et vous avez, il me semble que c'est, je ne suis pas sûre non plus, mais il me semble que c'est 50% sur votre première commande si elle dépasse les 50€.
Je crois. Je suis pas très sûre. J'ai pas tout compris. C'est un peu fouillé leur page d'affilié là. Mais comme ça, vous savez. Et vous avez le code que je vous mets également en barre d'infos si jamais vous passez par l'application. C'est valable que pour les nouveaux utilisateurs. Donc, voilà. Même si vous avez déjà un compte, vous, de toute façon, on n'épargne pas de points comme sur Shein, par exemple. Donc, rien ne vous empêche de créer un nouveau compte avec l'adresse mail de votre frère, de votre soeur, de votre mari, de votre mère, de n'importe qui. Et de pouvoir créer un nouveau compte pour profiter des 100 euros de bons de code promo qu'ils vous offrent. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, hein, voilà. Mais au moins il y a ça, et moi après je gagne des petits sous sur vos commandes. Voilà, et je gagne 2 euros si vous installez l'application. Voilà, comme ça vous savez tout, je vous dis tout. Cette chaîne est complètement tarée. Donc j'espère que ce haul vous a plu. Il y en a un autre qui arrive soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais recevoir parce que c'est en deux commandes encore. Je viens d'en refaire une. Là, à l'instant. À chaque fois que je vais vérifier où en est mon colis, je commande. Donc comme je vérifie à peu près 50 fois par jour. Mais là, on va partir sur autre chose. Ça ne sera pas des petits brôles comme ça. Ça sera autre chose. Voilà, je vous laisse la surprise. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas fait, de passer par mon lien si jamais vous n'avez pas encore commandé sur le site et que ça vous tente. Moi, je vous le conseille à 1000%, c'est vraiment devenu mon site chinois préféré, puisqu'on est livré en moyenne, il faut compter une semaine en moyenne. Ça arrive que ce soit un petit peu plus, mais c'est assez rare. Là, ça a peut-être dû prendre 8 ou 9 jours parce qu'il y a eu un petit retard de vol. Mais on est livré en une seule commande, comme sur Shein. On est livré beaucoup plus rapidement. Un peu comme sur Shein, mais Shein, c'est un peu plus long. J'ai l'impression, il me semble qu'il faut compter à peu près 15 jours chez Shein. Là, c'est une semaine. 6 ans du retard, vous avez 5 euros offerts dans votre porte-monnaie pour votre prochaine commande. Et comparé à AliExpress, il y a parfois des prix qui sont un peu plus chers. Donc, je continue à commander sur les deux autres sites. Hein, voilà, parce que de toute façon, j'aime toujours autant les deux autres sites. Mais c'est vrai que maintenant, d'office, je vais d'abord voir sur Temu. Les frais de livraison sont tout le temps offerts. C'est très rare que vous payiez des frais d'envoi. Sur AliExpress, des fois, ça abuse. Il y a des moules que j'ai vus qui sont à 7 euros, que j'adore et tout, et ils se retrouvent à 20 balles parce qu'il y a presque 10 euros de frais de port, quoi. Donc, voilà, AliExpress, c'est un peu chiant. Vous ne recevez pas rapidement, vous ne recevez pas tout regroupé. Donc, Temu, c'est la vie. Bon, allez, sur ce, j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.